Salut à tous les amis Celtics, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur eFootball et on est toujours en 21-4. J'ai pas trop joué ces derniers jours et écoutez, je vais réessayer de jouer comme ça. J'ai même fait une tactique secondaire pour pouvoir changer en 4-2-3-1 ou en 4-3-3 on va dire, si jamais pendant le match je trouve que ma formation ne marche pas. Et j'ai également packé, j'ai eu des places gratuites, vous savez que l'événement de l'enfer là en Smart Assist, et j'ai eu un Théo Hernandez à 99 qui monte à 99 en DG, donc je vais l'essayer. C'est parti les amis, on est en division 2 et j'espère que vous allez bien aujourd'hui. N'hésitez pas à checker Gamesgo si vous avez vu d'ailleurs. Gamesgo, c'est pour avoir vraiment Netflix, Spotify moins cher, etc. Si vous avez eu un problème, j'ai reçu un mail de Gamesgo qui me dit que si certains comptes Netflix ont eu un problème, que le compte marche plus, je sais pas quoi, vous envoyez un email à Gamesgo et évidemment ils vont vous enfiler un très rapidement, donc il n'y a pas de souci. Dès que c'est trouvé, un match, c'est parti, on part pour jouer les amis, let's go. Bon, évidemment, en attendant, je vous répète, le Smart Assist, on n'en veut pas sur ce jeu, vraiment, on n'en veut pas. C'est dégueulasse et j'espère vraiment qu'après cet événement, vous aurez tous compris que c'est dégueulasse et que vous direz à Konami quand ils vont nous demander que vous n'en voulez pas en multijoueur. Je pense également tester FC25, je ne sais pas quand, mais je vais le tester. Et on a trouvé un match, du coup, on va partir tout de suite. Division 2, 1400e, et moi je suis 1300. On est exactement classé pareil sur cette saison. Donc j'espère que ce sera un match serré. On va se mettre nouveau stade encore. Le Coliseo, je ne me rappelle plus celui-là s'il est bien. On va essayer celui-là. Rouge et vert, ça va bien. Il joue avec Robertson. Ouh, on a des joueurs en forme, on a Ribéry, Rijkaard, Lidikson, Son. Ouh, c'est pas mal. Tout le côté droit est bien en forme, le côté gauche un petit peu moins. Oblak en forme, on met Oblak obligé. Et on va voir ce qu'il y a en face. Mbappé, Neymar, Stoïkov, De Bruyne, Ruben Neves et 5 derrière. Robertson et Ben White. On va voir si ça monte, eux, derrière. Ça va être intéressant de voir si lui, il monte ou pas. C'est parti, les amis, avec le Théo Hernandez. Théo Anderson. Le petit Théo Hernandez qui sort des vestiaires. Allez, let's go. Ok, c'est parti. Il s'appelle Welcome to Silet. Je ne sais pas ce que ça veut dire, les amis, mais let's go. On va essayer de faire un bon match. Mais j'ai pas joué depuis 2 jours, en vrai. Hein. C'est parti. Let's go avec mon petit Son, Musiala et Théo Hernandez. On va le tester, lui. Ah, ça fait du bien de jouer sans cette assistance de l'enfer. Oh, il m'a mis au physique. Bah, c'est Théo Hernandez, justement, qui met au physique avant de balancer une pistache devant, là. Allez, Lidikson. Dommage. C'était Messi, hein. On ne s'y attendait pas à une grosse tête de la part de Léo. Attention, Lidikson, il est là. Qu'est-ce qu'il est chaud, Dixon, franchement. Oh là, gros pressing à 3 joueurs. Ah, je ne l'ai pas mis en offensif. Il va falloir que je le fasse. Sinon, il aurait déjà pris le couloir, là. Oh, dommage. Oh là là, on était presque sur un but. Parce que là, si on recevait la balle à 2 mètres, mais comme ça, du but, ça aurait été pas mal. Hein. Ça part sur Dixon. Oh, elle est contrée. Sony. Non, dommage. Allez, Ribéry sur le côté droit. Dixon. Oh, j'essaie d'allumer là. Dommage. Pour l'instant, on est bien dans le match. C'est serré en défense, hein. Ils sont 5, vous avez vu, c'est très serré. Ils sont 5 et ils montent pas. C'est ça le truc. C'est que les miens montent beaucoup. J'ai l'impression qu'il en a 5 qui ne montent pas du tout. Du coup, ça va être très, très, très serré derrière. Qu'est-ce qu'on va faire? Ouais, voilà, il n'y avait pas offensif sur Théo Hernandez. Du coup, là, il va plus prendre son couloir. C'est bien parce que, en fait, même quand tu joues contre quelqu'un qui a 5 derrière, le fait que les deux latéraux prennent les couloirs, ça étire sa défense. C'est-à-dire qu'il y a plus de place dans l'axe, vu que, par exemple, Hernandez et l'autre montent Dixon. Il y a forcément son arrière-droit et son arrière-gauche qui sont dessus.
Et du coup, voilà, ça étire la défense, ça fait plus de place au centre. Et c'est pour ça que c'est important que les miens, ils montent tout le temps. Sinon... Ok. Alors la passe, je la mettais pas du tout là. Voilà. Ok. Je voulais pas du tout la mettre là, je sais pas. J'ai du mal... Oh putain. Putain, ça me dégoûte. Regarde, le mec, dès qu'il a la balle, il dégage une praline. Et il mène 1-0. Et voilà. Allez, c'est parti, c'est pas grave. Putain, hé, sérieux, je me suis fait péter physiquement là. Oh, catastrophique ce qu'il m'a fait là. Oh là 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 là. Je vois pas super bien les maillots en vrai. Enfin, ça se voit, mais je suis pas super à l'aise en vrai. Allez, Théo. Dommage. Faut pas s'énerver. Il y a une passe qui a raté. Il a mis un but direct. On va pas s'énerver, les amis. On a le temps de marquer. Oh, Vikson, je l'avais. J'ai l'impression que j'étais dessus. Je l'ai pas eu. Je suis dégoûté. Oh, par contre, il se tourne super vite. Moi, j'ai du mal. Qu'est-ce qu'il fait? Il est éclaté au sol. What the fuck? Il fait n'importe quoi. Et j'espère que ça va pas coincer, que ça va pas être un match dur, parce qu'il fait n'importe quoi, le type. Il a... Mais attends, mais c'est pas possible, les gens comme ça. Il a tout le monde en défense. Il fait que balancer des tonneaux devant comme un gros sale. Mais il me prend la balle à chaque fois. Il revient, il me prend la... Ouais, c'est incroyable. Je sais pas comment ces gens jouent à ce jeu. Je ne sais pas comment ils prennent du plaisir. C'est un truc de fou. Regardez, mais wow, ils sont lents, mes joueurs, à faire des contrôles et tout. Allez, les gars. Allez, motivez-vous. Putain, qu'est-ce que c'est mou. Il y a tout le monde en défense chez lui. C'est... Oh là là, c'est horrible. Ah, mais à chaque fois, j'ai l'impression, c'est ouf. Ouah, non, mais... Allez. Putain. À chaque fois, je suis en retard. Ouah, mais c'est un délire, je suis tout le temps en retard. Je sais pas pourquoi. Oh là 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 là, j'ai toujours pas marqué. Le fait que j'ai pas marqué me dégoûte complètement. Ça me dégoûte, les amis. Oh là 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 là. Et à chaque fois il fait un dégagement au hasard. Non, non, mais c'est trop. Il a une réactivité, je sais pas pourquoi, par rapport à moi, c'est un truc de fou, les gars. Allez, mais fais ta passe! Eh, hey, mais c'est ouf, j'ai l'impression que je peux pas faire des passes, c'est hyper mou. On va se mettre en 4-3-3, on va voir ce que ça donne. Ah, mais non, mais c'est pas possible. Non, mais les gars, je suis en train de me dire, mais c'est pas possible, c'est un bot en face ou c'est pas possible de jouer comme ça? Qui est cet homme ou cette femme? Qui est cette personne? Qui est cette personne? Qui, dès qu'elle a la balle, dégage une praline devant. 27% de possession. J'ai jamais vu ça. Il a réussi que 13 passes dans le match. Les gars, je suis choqué. Et je peux pas marquer parce que sa défense bouge pas. Je suis choqué, les gars. Je suis choqué. Non, vraiment, là, je suis clairement choqué, là. Rarement vu un mec aussi nul me mener 1-0. Là, c'est vraiment... Là, je suis en mode, vraiment, c'est super chaud. Il va balancer une prunelle. Pourquoi tu me rates cette passe? Pourquoi il me rate cette passe? Honnêtement, hein.
Eh mais... Waouh, je vais m'énerver les gars, je pense. Hein. Oh putain, mais c'est ouf. Putain. Je vais bientôt m'énerver, je pense. Le jeu, il est en train de me carotte, là. Je l'ai pas mise là, la passe. Eh, mais c'est un... Oh, je l'ai mis devant, la passe. Oh là là, oh là là, oh là là, oh là là. C'est catastrophique. Eh, mais... C'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Il sait pas jouer. Il sait pas jouer. C'est une catastrophe. Il sait pas jouer, mais il a des occasions. J'ai pas d'occasions. C'est catastrophique. Je peux rien faire. Allez, allez. Oh là là, mais c'est pas possible. Mais c'est pas possible. Je joue contre Pipo Bimbo, là. Et j'ai pas d'occasion. J'arrive pas à passer, les gars. Eh, mais... Et il fait que presser, 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 comme un débile. Mais c'est une blague. Vous avez vu, mes passes, je les fais. Je sais pas, elles arrivent pas au mec. Eh, hey, mais vas-y, le jeu, là. Réveille-toi, là. C'est bon, quoi. Je sais pas ce qu'il faut faire. Il faut que je fasse quoi. Mais il faut que je fasse quoi. Ah, mais c'est une dingue. C'est une dinguerie, les gars. Son, il part pas. Je peux rien faire avec son pressing. Regardez, je ne peux... Oh là là, mais horrible, horrible, les gars. Mais comment je vais faire pour gagner ce match de merde? Peut-être un centre, hein, y a que ça. Hein. Mais je... je peux rien faire. Je peux pas lui... Physiquement, il est trop fort, là. Il me défonce. Allez, allez, les gars. On y croit. Je sais pas comment faire, c'est un truc de fou. Mais c'est quoi ce match? Attendez, mais il se passe quoi, les gars? Je joue contre un mec qui ne sait absolument pas jouer. J'ai pas d'occasion, les gars. Je sais pas quoi faire. Attends, mais je fais quoi en fait? Je suis en train de me dire, mais imagine, je vais le perdre. Mais je ne sais pas comment faire. C'est un truc de fou. Il est nul, nul, nul. Mais j'arrive pas à... J'ai pas d'occasion. Mes latéraux sont hauts. Qu'est-ce que je peux faire de plus, en fait? Ça sert à rien que j'ai 5 derrière. De toute façon, il joue pas. Il joue jamais, le mec. Il joue pas au jeu. Outil, là, le... C'est quand même incroyable, là. Non, mais franchement, genre... C'est quoi ce délire, là? Je suis en mode, mais... Attends, mais... Je peux pas faire... Je peux pas perdre contre lui. Non, mais là, c'est... C'est pas possible, les gars. Il faut que je me concentre. Voilà. C'est moi qui ai la tête, mais c'est lui qui la récupère, la balle. Allez. J'ai aucune solution. Aucune solution. Allez. Oh, il va la prendre. Eh, mais c'est pas possible. Eh, vraiment, je suis inquiet, là. Je vais perdre contre un mec qui a fait 15 passes. Non, mais regardez-le. Allez. J'ai pas de solution. J'ai pas de solution, les gars. Mais c'est une dinguerie, franchement. Regardez, mais j'ai pas de solution. Ils se placent mal, mes joueurs. Mais c'est pas possible. Ça passe pas. Mais c'est pas possible. Mais regardez, j'y arrive pas. Mais c'est une dinguerie. Mais c'est une dinguerie. Non! Regardez ce qu'il me fait, Van Buiten! Je vous jure que là, il avait le temps, Van Buiten. Je sais pas ce qu'il me fait, vraiment. Les gars, je sais pas ce qui se passe. Le match, il est complètement dingue. Mais... C'est trop fou. Je peux pas passer. Les gars, je peux pas... Mais... Attends, mais... C'est pas possible. C'est pas possible. Eh, mais les gars, genre, vraiment, je suis en train de craquer. Le jeu, c'est un jeu de fou. Vraiment, c'est un jeu de fou. Voilà. C'est un jeu de fou. Vraiment, c'est un jeu de malade. On est sur un jeu de malade.
Je vous jure, ce jeu, c'est un truc de fou. Là, le gars, mais jamais il. Enfin, je sais pas, je sais même pas comment vous expliquer ce match. Incroyable, les gars, genre. Bon, on fera le débrief après. Regardez ça, regardez ça. C'est le pire joueur que j'ai joué de ma vie, je crois. Je crois que de ma vie, j'ai jamais vu un joueur aussi mauvais. Oh, quelle passe de merde il me fait, putain, c'est ouf. Et là, maintenant, je peux jouer. Vous avez vu, c'est la fin. Vous avez vu, c'est la fin, ils font des appels et tout, je peux jouer. Là, le match, ça devient normal. Oh là là, attention. Oh, attention. Allez. Oh, j'ai fait une fin de frappe, il m'a fait ça, il est sérieux Dixon. Oh là là, c'était le match le plus dur. C'était le match le plus dur de ma saison, je vous jure, c'était le match où j'étais le plus inquiet. C'est contre le mec le plus mauvais que j'ai jamais joué de ma vie, je crois. Incroyable, il a fait que 40 passes dans le match. Il faisait que balancer des énormes mines devant. Je ne sais pas comment ce jeu est foutu pour que ce soit à la 80e que j'arrive à débloquer le truc. Avant, c'était impossible. Tout était ramassé et tout. C'était horrible. Mais je suis content parce que j'aurais été capable avant de faire des matchs nuls sur ces matchs de merde. Et là, je suis content de l'avoir gagné parce que je me dis, un gars comme ça... C'est quoi ces insignes chelous, là? Ah ouais, il joue à My League, 300 000 points... Atteindre la division 2, c'est ça son plus gros truc. Et mais franchement, je sais pas comment j'ai fait pour revenir. À un moment, ça s'est débloqué. Ah, le mec joue tout le monde en défense, c'était trop dur, genre un truc de fou. C'était le bus de José Mourinho, de René Girard. Mais on a quand même gagné. Et rien que ça, je suis content d'avoir gagné parce que j'ai failli y passer. Vraiment, c'était super chaud et je m'en serais tellement voulu de perdre contre ce gars, vraiment. Ça m'aurait trop saoulé. Incroyable, waouh, comment c'était dur les gars. Bon, en tout cas c'est gagné, c'est déjà ça. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo, j'espère que ça vous a plu quand même. Un petit pouce à la vidéo, on se voit très bientôt. Bon week-end, bonne journée, Staltis. Ciao à tous les amis, à plus.